Allez, bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une petite présentation de mode plaçable sur Farming Simulator 17. Donc le mode plaçable, il se compose de 3 objets pour ce type de mode. Donc on a le mode qui est la zone de vente, donc, comme ici. On a la zone de fabrication et on a la zone de stockage. Voilà. Donc, on va voir comment cela marche. Déjà, tout simplement, qu'est-ce que c'est comme mode plaçable ? Donc, ce mode plaçable est une usine à fabrication de palettes. Donc, comment on peut le voir ? Voilà. Donc, c'est une fabrication de palettes. Donc au fur et à mesure les palettes vont se faire. Donc pour ça vous avez juste à aller mettre des morceaux de bois dans la zone de pour vider. Donc n'importe quel morceau de bois, moi j'en ai fait des petits comme ça, ça va plus vite en fait. Voilà, ça les met comme ça en rondin. Et du coup, ça vous fait des petites palettes comme ça. Donc au fur et à mesure, ils vont monter, hein, vous allez voir. Normalement, ils vont monter. Voilà, donc 2300. Donc là on a un petit écran qui nous calcule. Donc là c'est le stock de bois. Ici on a la palette. Et juste à côté on voit 800. C'est ici. Donc les cocos. Donc vous avez juste à vous mettre au dessous. Et ça charge. Donc soit vous chargez automatiquement en appuyant sur R dans la zone jaune, soit automatique. Donc automatique, c'est soit manuel ou automatique, c'est à vous voir. Donc finalement ça fait plus de s'arrêter. Et vous allez voir un truc. Donc, on va s'arrêter. Donc déjà de toute façon voilà, donc 4000 et ça arrêté. Donc c'est pas dedans, c'est ici. Donc on a l'usine de palettes qui est ici, la zone de vendage de palettes et le stockage. Donc vous avez les trois choses là à mettre pour pour pouvoir faire les palettes. Donc, maintenant on va aller les prendre. Bien qu'ils se mettent dedans. Voilà, donc là vous avez la zone de charge de pour vider. Donc si vous le laissez comme ça, regardez, les palettes disparaissent, voilà, au fur et à mesure. Voilà, ils disparaissent au fur et à mesure. Franchement c'est pas mal. Et vous pouvez faire d'autres. Et l'autre côté, donc ici, donc si vous mettez des palettes, le pack de palettes dans la zone jaune, ça va les stocker dans le bâtiment. Donc ici on va aller voir le nombre de litres stockés. Et l'autre côté, ici, vous allez pouvoir récupérer la palette. Donc vous allez pouvoir prendre une palette, la mettre dans une remorque, vous allez revenir, le deuxième palette sera déjà prêt.
voilà, au fur et à mesure. C'est vraiment bien fait, franchement. On va voir, puis on va attendre que ça recharge. Donc franchement, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est bien 8 à mon avis de palette. Logiquement, il y en a bien 8. Normalement, ça doit être bon. Voilà. Donc. Donc si on la met dans le truc de stockage, donc vous avez vu qu'il n'y a aucun palette, il n'y a aucune palette de chaque côté. En fait, vous avez juste à les mettre là. Voilà, ça les a stockés, donc ils sont de l'autre côté. Voilà, allez ici. Donc là, on peut voir qu'il y a 4000. Donc voilà, donc pour la récupérer, vous avez juste à prendre le Manitou et vous venez ici pour recharger la palette. Et puis voilà. Donc écoutez les amis, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Farming Simulator 17. Et on se retrouve pour un nouveau petit nouvelle présentation très prochainement. Et moi je vous dis, le lien sera à connaître dans la description de la vidéo, bien entendu du mod. Donc voilà, donc écoutez les amis, je vous dis à la prochaine et ciao.